Et bonsoir à toutes et à tous. Donc on se retrouve ce soir sur un live de Death Stranding. Là je teste le son, voir si ça fonctionne. Ça a l'air d'être bon. Nickel. J'espère qu'il n'y aura pas d'écho. Donc normalement tout fonctionne correctement. Normalement, tout fonctionne correctement. On se retrouve ce soir sur Death Stranding. Ça fait un an environ que le jeu est sorti. Je voulais justement revenir sur celui-ci afin de voir ce qu'il en est un an après sa sortie et ce qu'il a laissé derrière lui. Notamment dans le paysage vidéoludique, mais également voir sur quel autre domaine il a pu éventuellement avoir une influence, ou même auprès de certaines personnes, de certaines personnalités. Parce que je pense que les personnes qui regardent cette vidéo sont soit des personnes qui sont passionnées par le jeu, ou soit des personnes qui sont juste curieux. Enfin, ce live du coup, mais qui se pose peut-être des questions parce que forcément, le jeu est un peu, en quelque sorte, un jeu culte. Il est adulé et encensé par un petit groupe de connaisseurs. Certains aimeraient un petit peu cracher leur venin. De jalousie et dire que ce sont des fans de Hideo Kojima, alors que en soi non, il n'y a pas de véritable fans à proprement parler, dans le sens où est-ce que les principaux fans dits de Hideo Kojima sont en réalité des fans de Metal Gear Solid. Déjà rien que là, on pose déjà les bases, on met toutes les choses à plat. Rien que ça, on élimine déjà un bon gros nombre de personnes qui est représenté à la sortie de MGS5, qui est l'opus de MGS qui a réalisé le plus gros score à sa sortie, qui était, enfin, peut-être sur un mois ou deux, mais qui était à environ de 80 millions de ventes, avant que Konami arrête de vouloir continuer à poster des chiffres. Donc on sait qu'à la sortie de MGS5, le jeu en quelques mois a réussi à faire un joli score de 80 millions d'unités vendues, qui est le plus gros score réalisé pour la série MGS. Alors on dirait pas, mais en réalité 80. Il me semble que c'est 80 millions. Ou c'est. Ah non, non, je confonds peut-être avec le. Oui, non, c'est 80 millions de budget, voilà. C'est 80 millions de budget.
Voilà, oui, c'était un truc comme 80 millions de budget. Ah non, ouais. Ah, 54,5 millions d'exemplaires, voilà. Sachant que c'est la licence, donc ça doit compter tous les opus. Et voilà, voilà. Il faut probablement plus voir du côté de Metal Gear Solid 5, qui a environ à 6 millions de copies en janvier 2016. Voilà, donc c'était ça. C'est 80 millions de budget pour environ 8 millions de copies vendues vers 2017-2016. Donc on peut voir que déjà, c'est pas. Contrairement à ce que certains aiment le penser, ce n'est pas des chiffres pharaoniques. Hein. C'est pharaonique pour un jeu d'auteur. En revanche, c'est des scores quand même comparés à un Call of Duty ou même un GTA qui sont tout petits. Parce que pareil, 80 millions de budget, ça paraissait peut-être pharaonique pour Konami, qui s'est lancé par la suite justement dans le jeu mobile pour arrêter de dépenser des sommes faramineuses. Mais justement, en réalité, c'est très peu comparé à la plupart des jeux actuels ou même du début de gen PS4. Où est-ce qu'on. Déjà fin PS3, on avait la plupart des jeux qui dépassaient les 100 millions. Surtout pour des jeux cross-platform, où est-ce que ça s'élevait vers les 150 millions, sans compter la com. Parce que là, c'est 80 millions communications comprises dans le budget de MG5 The Phantom Pain. Alors que pour justement GTA, on est beaucoup plus loin, où est-ce qu'on a à peu près 300 millions. Je sais plus si c'est en budget de développement ou en marketing, et le restant, justement. Soit en développement, soit en marketing. Donc on est à peu près à du 200 millions, 300 millions pour chaque domaine, quoi. Ce qui fait un budget total de un demi milli enfin oui, un demi milliard, 500 millions quand même. C'est pas rien. Si ce n'était pas plus justement, hein, mais de mémoire, il me semble que c'était à peu près 500 millions pour GTA 5. Du coup, forcément. Quand on entend certaines personnes vouloir à tout prix cracher sur Hideo Kojima parce que ça les dérange et qu'ils n'ont jamais joué à un de ces jeux et que ils préfèrent s'attarder sur du Fortnite, sur du League of Legends ou autres jeux japonisants d'un style manga ou même à des jeux tout banaux, enfin oui, tout basique, tout banal. Qu'il n'y a derrière aucun message, aucune mise en scène, puisque c'est du pur divertissement, du pur consumérisme. Forcément, ça fait sourire pour ceux qui s'intéressent à autre chose qu'à ça, que ce soit pour le jeu vidéo, même dans d'autres domaines. C'est un peu comme dire que oui, Avengers Endgame est le meilleur film de tous les temps parce qu'il a enregistré le plus gros chiffre au box-office mondial. C'est absurde. C'est absurde parce que déjà Avengers Endgame est très certainement l'un des films les moins bien réalisés. Tout film compris, hein, que ce soit des très bons films comme des très mauvais, c'est. Endgame, il fait partie du bas du panier. Surtout quand on regarde combien il a coûté, justement, à peu près 300 millions. On peut voir maintenant que effectivement les gros AAA de jeux vidéo dépassent les AAA de cinéma, enfin les blockbusters hollywoodiens. Ce qui est assez impressionnant pour cette industrie. Et justement, Hideo Kojima, c'est en soi un en quelque sorte un réalisateur de jeux.
dans le sens, parce qu'en réalité c'est plutôt un game director, dans le sens moderne, bien plus qu'un simple game designer, c'est-à-dire qu'il va non seulement influencer sur le game design, sur l'histoire du jeu, mais il va surtout être là de A à Z, et c'est une vision qui va desservir, qui sera également accompagnée par d'autres personnes d'une équipe assez proche, afin que son studio et ses équipes mène à bien un projet et une vision. C'est ça, on parle toujours de vision. Or, pour un triple A qui se veut être simplement un produit de divertissement de masse et de consommation de masse, qui ne cherche à être rien d'autre, on ne va pas retrouver tout ça déjà. Donc rien que là, on peut voir déjà, en écartant justement, en constatant déjà que les trois quarts des fans de Metal Gear n'ont pas acheté Death Stranding, déjà rien que là on peut se dire que finalement le fameux homme de paille de dire que les gens qui ont acheté Death Stranding sont des fans aveugles de Hideo Kojima et qui achèteront tout et rien, c'est un peu faux parce qu'au final Hideo Kojima c'est surtout Metal Gear. C'est surtout que ça que les gens connaissent. Et quand on regarde bien ce qu'il a fait d'autre, ça n'a jamais été des succès aussi grandiloquents que MGS. La saga Metal Gear sur MSX2 a eu des grands succès, mais surtout au Japon, ou bien un petit peu aux US. Mais en dehors, dans le reste du monde, c'était pas exporté plus que ça, ou alors c'était pas traduit. Donc du coup, c'était très compliqué déjà d'avoir un succès de renommée internationale. Ce qui en réalité fait connaître Metal Gear, c'était l'épisode sur NES, qui au final était qui n'a pas été dirigé par Kojima, et en plus qui était une abomination, parce qu'au final, c'est ce qui justement va pousser les équipes derrière Metal Gear à revenir vers Kojima et à le supplier de revenir au poste parce que justement ça partait en couille, la direction commençait déjà à faire n'importe quoi avec la saga. Parce que justement après l'opus MSX2, le premier opus que Kojima avait développé avec ses équipes, Konami a voulu en faire un portage sur NES, mais ils ont eu que quelques mois, si ce n'est pas 2 mois de développement. Enfin non, c'est un peu plus de 2 mois je pense, mais il y avait une histoire de... Il y avait un truc comme 2 mois et... Il y a eu un truc, c'était une période très courte, et même pour l'époque c'était déjà court. Ce qui fait que il n'y avait même pas la présence de Metal Gear dans le jeu. C'était juste un gros ordinateur. Ce qui est un peu absurde pour un jeu qui s'appelle Metal Gear, déjà. On comprend pourquoi est-ce que ces équipes ont voulu faire revenir l'homme qui était à la base à la tête du projet sur le projet, alors que lui il pensait en avoir fini. Et c'est ce qui va ensuite donner lieu au succès petit à petit justement de ses projets personnels, parce qu'au final il va garder cette même équipe-là, qui va ensuite l'amener à faire Metal Gear Solid sur PS1, qui est le passage à la 3D de la saga, et surtout qui va marquer un bond technologique énorme dans l'industrie du jeu vidéo. On parle de cinématique en temps réel. On parle de gameplay, d'infiltration à la troisième personne en 3D. On parle de scénario très mature pour l'époque et approfondi. On parle également de brisage du quatrième mur, qui était une première dans le jeu vidéo. En tout cas, utilisé sérieusement, intelligemment et surtout dans un triple A. Parce que pour l'époque, oui, c'était l'un des plus gros projets triple A de son époque. Et également, c'était l'un des jeux qui repoussait le plus le médium et surtout sa limite technologique qui utilisait au mieux les technologies présentes dans sa machine. Au final, donc la PS1, au final, Metal Gear Solid, ça a toujours été ça. Même Metal Gear, la saga en général, ça a toujours été utiliser au mieux et intelligemment les capacités d'une machine pour en tirer ce qu'elle peut en faire de mieux. Donc vis-à-vis de ces contraintes techniques. Et que ce soit en adaptant la vision, ou enfin
de son auteur à cette machine-là, ou inversement, hein, également en essayant de repousser ces limites-là également. Hein. C'est-à-dire que ils vont essayer de s'adapter, mais ils vont également essayer de repousser ces limites-là, qui surtout à l'époque étaient, même si c'était beaucoup pour l'époque, de nos jours, on s'aperçoit que c'est totalement ridicule. Hein. Maintenant, on a plus de 1 million, voire si c'est pas 1 milliard de fois la puissance de calcul dans un téléphone de ce qu'on avait envoyé à l'époque sur la Lune. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que il y a une vision d'artiste derrière, une vision d'auteur également, et il y a toujours eu cette volonté de vouloir repousser le médium et les machines sur lesquelles le titre sortait. Que ce soit en termes d'optimisation et également en termes d'adaptation. Sur justement ce qui est capable de faire la machine, parce qu'à un bout d'un moment, c'est sûr que on peut pas non plus faire n'importe quoi, on peut pas mettre du ray tracing sur une NES ou sur une PS1, ça c'est sûr. C'est ça. Donc du coup, on peut voir déjà que effectivement, le bonhomme est surtout connu pour la saga Metal Gear Solid, ce qui va nous amener ensuite à Death Stranding. Death Stranding qui fait suite justement à cette rupture de ce créateur-là et de ses équipes, hein, parce que quasiment l'entièreté, c'était à peu près 80, entre 80 et 85% du studio d'origine qui ont rejoint Kojima dans ses nouveaux locaux. Parce que, sachant qu'aussi la plupart de toute manière s'étaient également fait virer par la direction de Konami. Donc bon, histoire douloureuse et compliquée en somme. Et qu'on retrouve encore aujourd'hui avec le portage. Enfin, c'est pas un portage, c'est la rétrocompatibilité de PT. Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui arrivent, enfin qui l'ont sur leur PS4, parce qu'on peut plus le télécharger via au PS Plus et via au PSN. Et du coup, il y a un souci de rétrocompatibilité. À la base, il n'y en avait pas. Les personnes qui avaient une PS5 et qui avaient Death Stranding, qui avaient PT, je veux dire, sur PS4 pouvaient pleinement profiter du titre en utilisant un disque dur externe ou en transférant les données via justement un câble LAN de leur PS4 via leur PS5. Ils pouvaient non seulement transférer le titre et en plus jouer au titre via sa rétrocompatibilité PS5. Or, petit souci, c'est que là, il n'y a même pas quelques jours, ben Konami a décidé justement de stopper ça. Pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas, PT est, c'est-à-dire Player Teaser, est un jeu qui a été développé par Kojima et ses équipes, ainsi que la Team Silence, afin de promouvoir Silent Hills avec un S à la fin, et non pas Silent Hill tout court. Donc Silent Hills, la différence c'est que là c'est l'opus qu'on parle là, c'est l'opus que Kojima était en tête derrière, qui a été tout simplement avorté, qui en plus, ça brise encore un peu le quatrième mur. Vous comprendrez en vous informant sur le jeu et en regardant bien les vraies vidéos. Parce que attention, hein, il y a des gens qui ont essayé de faire des remakes sur Unreal Engine 4 qui sont très mal faits et qui, pour certains, qui essayent d'être respectueux, mais ils n'y arrivent pas trop. Et pour d'autres, c'est un peu casse-gueule parce que c'est plus du troll qu'autre chose. Vous comprendrez du coup en regardant vraiment les vidéos de l'époque en quoi ce jeu avait fait un tel succès, parce que déjà c'était une démo qui servait de trailer jouable à une annonce d'un titre, où est-ce que justement le studio et tout ça avait été caché. On ne savait pas que c'était ça, il y avait des petits doutes mais on n'était pas sûr. Et surtout, ben c'est un projet qui va être avorté et qui au final on va retrouver des bribes dans Death Stranding. Ce jeu-là est très lié à Death Stranding, tout comme MGS5 ou même la saga Metal Gear, on trouve également des petits liens dans Death Stranding. Comme on dit, c'est une affaire de connexion. C'est des ponts, des bridges. C'est un petit clin d'œil et c'est des indices, ça nous met sur la piste. Il n'y a pas que ça dans Death Stranding, parce que Death Stranding a également sa propre narration, sa propre histoire, son propre lore, sa propre diégèse, oui, et également son propre gameplay, et son propre univers, en somme, environnement également. Mais quand on regarde bien bout à bout, en fait,
on progresse au niveau des niveaux de lecture et plus on approfondit le sujet, plus on s'aperçoit que le jeu fait référence à énormément de choses. De la team, enfin de l'équipe de Hideo Kojima en fait, de Kojima Productions. Du coup, à partir de ce moment-là, déjà on voit que effectivement, en fait, au final, Death Stranding a surtout réattirer un ancien public de MGS, même s'ils sont pas majoritaires, a su également attirer un nouveau public qui ne connaissait pas Hideo Kojima, qui ne connaissait pas non plus Yuji Shinkawa ou même le reste des équipes Kojima Production, qui ne connaissait pas Metal Gear Solid, donc certains ne savent même pas qu'il y a un lien entre les deux, hein, ou même certains ne savent même pas qu'il y a aussi des liens avec P.T., voilà. Et qu'il y a également un nouveau public qui. Enfin. Bien plus qu'un nouveau public, il y a également un ancien public qui ne sont pas que. Comment dire. Qui sont fans de MGS, mais pas forcément fans de jeux vidéo à la base. Il y a également un public qui est revenu à ce niveau-là. Et qui a aussi conquérir d'autres personnes. Notamment du milieu plutôt artistique. Parce qu'il y a des personnes qui s'y sont plongées, notamment des musiciens, et qui ont d'ailleurs, pour certains, collaboré à la réalisation des musiques de Death Stranding. À partir de ce moment-là, déjà, on peut voir que certains rageux qui voudraient dire. Enfin, donc rageux ou troll, qui voudraient dire que. Les personnes qui encensent le travail de Hideo Kojima, ce sont des personnes aveugles parce que Death Stranding est un très mauvais jeu dans lequel c'est un walking simulator, on ne fait rien d'autre. Ben, c'est des personnes soit qui n'ont pas compris le jeu, ou qui ne s'intéressent qu'à se divertir, ou bien qui tout simplement sont soit déçus, et qui du coup on peut dire ont la Phantom Pain. Ou alors tout simplement des personnes qui sont imbues d'elles-mêmes et qui veulent juste troll parce qu'ils n'aiment pas le personnage qui sont jaloux parce que justement il y a un auteur derrière et qui a des équipes derrière talentueuses qui ont réussi à faire plusieurs projets et qui à chaque fois ont réussi à s'émisser, à s'élever. Au rang de. Enfin, Kojima a réussi en tout cas à s'élever au rang de personne la plus influente du milieu du jeu vidéo. Il a eu le Game Award. Enfin, qui lui a été décerné alors qu'il était même pas présent, il pouvait même pas le réceptionner suite aux embrouilles avec Konami. Des embrouilles, du coup, il était interdit au niveau juridique d'aller à la cérémonie pour récupérer ce prix-là. Donc du coup, si à bout d'un moment, la plupart des personnes de l'industrie encensent son travail, les 2-3 trolls qui ne savent même pas comment on fabrique comment on développe un jeu, comment on fabrique, on le conçoit, qui se permettent de se la ramener, ou bien même qui savent peut-être, hein, mais qui juste parce que ils ont un affect négatif ou qui sont purement et simplement de la subjectivité et qui n'ont pas de recul sur ce qu'ils disent, ces personnes-là peuvent s'abstenir, que ce soit dans les commentaires ou même ailleurs. Voilà. Je vais essayer qu'il y ait une rediff de ce live. J'ai pas fait attention si des personnes avaient mis des messages, à part mon nom. De toute manière, je ne pense pas qu'il y ait peut-être trop de monde qui regardera. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on discute, qu'on parle. Là, on va lancer le jeu. Parce que c'était une longue introduction, mais voilà, maintenant c'est fait. Ça fonctionne bien, apparemment. Bon. Après cette longue introduction, nous allons lancer le jeu. Ah, je préviens. Toutes les personnes qui sont intéressées par le jeu et qui ne l'ont pas fait. Ne regardez pas. Juste ne regardez pas parce que il y a des spoils et rien que là j'aurais dû vous prévenir plus tôt.
Si vous terminez le jeu à un moment, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Là, ça va être pur spoil. On va parler un peu de tout, du jeu et tout. Alors, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire, comment dire. Ça ne sera pas une analyse ou une critique ou même un retour. Comment dire. J'ai oublié le terme exact, mais en gros, je vais. Si j'oublie des choses, c'est normal. Voilà. En fait, c'est pas que si j'oublie, c'est. Je les aurais pas forcément oubliés, c'est juste que j'ai pas tout. Je vais pas passer non plus énormément de temps à faire les choses minutieusement. C'est pas non plus une rétrospective. Voilà. Ou même une analyse ultra approfondie. Là, c'est vraiment un retour sur les lieux. Un a posteriori sur le jeu et voir ce qu'il en est. Un an après sa sortie. Parce que le jeu a des mises à jour. Donc, je vais vous donner un dernier avertissement. Si vous n'avez pas fait le jeu et que. Enfin. Que vous l'ayez. Enfin, que vous ayez envie ou non, je vous le dis, arrêtez-vous là. Voilà, tout simplement. Même si vous n'avez pas envie de le faire mais que ça vous intéresse, juste arrêtez-vous là, allez le faire. Surtout que pour certains qui oseraient dire, ah oui, mais j'ai pas de PS4, les gars, il est sur PC. Même si c'est un peu un non-sens de le faire sur PC, c'est parce que le jeu a été pensé pour la DualShock 4. Bon, peut-être que la DualShock 4, enfin je pense que du coup logiquement la DualShock 4 doit être compatible sur le PC, mais c'est pas non plus exactement la même expérience. Ce jeu-là a vraiment été pensé pour être joué à la manette. Hein. Alors, voilà, vous aurez été prévenu. Parce que là, il y a la petite référence. Non, pas cette fois-ci. Voilà. Envie de dormir. Alors. On va faire le plein avant de partir. Du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu a posteriori, un an après sa sortie? Alors, on peut voir que le jeu. C'est assez explicite, en tout cas il essaye de le montrer tout au long de que ce soit à la fois de son histoire ou même de ses missions, de son gameplay. Rien que l'entrée en matière en fait nous laisse à savoir qu'il veut faire une scission, une sorte de sécession en quelque sorte. Enfin, il veut faire une scission avec le passé du jeu vidéo, enfin de l'industrie vidéoludique, notamment sur les 35 ans de jeux vidéo qui repose essentiellement sur la formule dite de Mario, qui est d'avoir un gameplay de base avec. Il s'en moque aussi beaucoup, hein. Mais même s'il reprend aussi quelques codes, mais lui il les réinvente. Il essaye d'en faire autre chose. Et surtout d'aller un peu plus loin, même si au final on peut se dire que la saga MGS c'était déjà un peu ça quand même. Mais là le jeu va plus loin sur d'autres sujets. Et d'une autre manière aussi, il a une approche différente. Même si on trouve également des thèmes communs. Notamment là, dans Death Stranding, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut constater qu'on a affaire. On a affaire à un jeu où est-ce qu'on est incroyablement seul, on est fait face à la solitude. J'ai oublié de prendre les cryptobiotes. Ce jeu-là veut nous faire ressentir une forme de solitude. Et c'est au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu qu'on va pouvoir justement
à faire connaissance avec d'autres personnes, d'autres survivants justement du Death Stranding, et qui vont réussir à nouer des liens avec Sam Porter Bridges, qui pourtant de base ne semble pas vouloir justement entretenir de liens avec d'autres individus. Parce que justement, j'ai oublié le terme scientifique exact, il a peur des gens, enfin il a peur du contact humain. Et c'est ce qu'il va devoir en quelque sorte justement apprendre à surpasser, c'est justement savoir rentrer en contact avec les gens et à nouer des relations avec eux en fait. On trouve beaucoup le thème du lien parce que de toute manière c'est lié carrément à comment le jeu se déroule dans son intégralité, que ce soit pour transporter les colis, que ce soit pour les affrontements, où est-ce qu'on recherche non pas à tuer les individus, on recherche justement à les capturer, à les ligoter, afin de s'enfuir. On recherche même à éviter toute forme de combat, parce que au final on risque d'abîmer ces cargaisons. Tout le jeu repose sur ça. Et dans sa mécanique et dans son fonctionnement, et notamment dans ses boucles de gameplay, en fait, ça vient contraster avec ces 35 ans de jeux vidéo qui se veut être du recyclage, à vouloir être des formules qui n'ont pas de sens, à vouloir être du divertissement, même si certains jeux, notamment la saga de Metal Gear Solid, ont essayé de faire autrement. Là, au final, Death Stranding, là, se rapproche bien plus au final des jeux indépendants, des jeux à petit budget. En fait, Death Stranding, c'est un jeu triple A qui s'inspire et qui amène au goût du jour dans un monde de triple A des mécaniques de jeux indépendants. Il apporte une nouvelle fraîcheur en fait. Et certes, ça va forcément en déplaire plus d'un. Parce que forcément, s'il y a des personnes qui pensent encore que le jeu vidéo est un jouet et qu'il doit le rester en fait. Et qu'il ne doit surtout pas être quelque chose qui amène à la réflexion ou à parler de certains sujets par le biais de son gameplay comme de son scénario ou de sa mise en scène. Pour rappel, pour ceux qui oseraient dire que l'utilisation d'une caméra dans un jeu vidéo est un non-sens, dans ce cas-là, sachez qu'il y a une caméra, quoi qu'il arrive, dans un jeu vidéo. Puisque c'est lié à son médium. C'est un écran qui vous communique des informations, pour la plupart des jeux vidéo. Enfin, même dans l'écrasante majorité, dans 99% des jeux vidéo, c'est un écran qui vous communique des informations. Et vous ne les avez pas autrement, ces informations-là. Vous en avez également par le prisme de la manette, mais la manette fait partie de ce liant qui vous permet de communiquer avec le hardware, donc la machine, la console, afin de réceptionner des informations et d'en envoyer. Et l'écran il fait partie justement de ce prisme où est-ce qu'il va vous transmettre visuellement ces informations-là. Alors que la manette, elle va vous les retranscrire au niveau de ces vibrations pour que vous ressentez des choses qui se passent à l'écran, donc l'écran qui interprète des données de la machine, et vous-même allez en redonner afin d'interagir avec. C'est ça un jeu vidéo, c'est de l'interaction. Après, vous pouvez. Bien entendu, si un jeu vidéo, là comme là je le fais actuellement, où vous êtes assis et vous ne faites rien, ça reste quand même un jeu vidéo. Puisqu'il y a quand même à un moment quelqu'un qui a activé, qui a lancé la console, l'appareil, le hardware, le PC si vous voulez aussi, qui a mis un jeu dans la console ou qui l'a téléchargé de nos jours, qui ensuite accède via une interface. Ou via, pas forcément une interface, mais même via un contenu qui est streamé, enfin qui est pas, enfin c'est pas du streaming, mais c'est comment dire, enfin qui est diffusé, qui est une source qui est diffusée par la console sur votre écran, afin que vous puissiez justement interagir avec, que ce soit en 2D comme en 3D, et surtout encore plus en 3D,
Parce que la 3D, justement, apporte cette dimension dite cinématographique. Vous avez le contrôle de la caméra. Et c'est ça qui est beau. Vous contrôlez une caméra. Que même dans les jeux à la première personne, c'est une caméra. C'est ça le truc qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que le jeu vidéo, tout comme le cinéma, utilise des caméras et des points de vue. Certes, ils peuvent le faire dans la plupart des cas d'une manière différente, mais de nos jours, de plus en plus, le jeu vidéo et le cinéma sont en train de fusionner pour devenir quelque chose de nouveau qui surpasse les deux médiums séparément, quoi. Enfin, qui dépassent ces médiums-là quand ils sont chacun dans leur coin. Parce que si le cinéma, certes, c'est regarder et être passif, vous pouvez interagir, et car le cinéma, c'est également un jeu entre le réalisateur et le public et les spectateurs. C'est ça, il y a également une interaction à ce niveau-là, puisque, notamment dans le cinéma de Nolan, ou même de Kubrick, ou même de Tarantino, il y a toujours un jeu entre ce que le réalisateur vous montre à l'écran, ce que l'histoire narre, toutes les mises en scène qu'il y a, tous les clins d'œil, il y a plein de choses, quoi. Et ce que le public et les spectateurs vont comprendre et interpréter. Il y a justement cette phase de jeu. Et on peut parler également de courbe d'apprentissage et tout ça, du coup. Et de découverte avant de connaître tous les aboutissements d'une histoire. Mais il n'y a pas que ça, il y a également les différents niveaux de lecture. Et également tout ce qui va entourer la réalisation du film, comme d'un jeu. Et c'est ça le truc, c'est que le cinéma, comme le jeu vidéo, ce sont des industries maintenant. Ce ne sont plus que des petits trucs faits par des passionnés dans leur garage. Ou même, donc, pour le cinéma, des petits passionnés qui essayent de découvrir une nouvelle technologie. Maintenant, ce sont des industries. Et le problème de ces industries, c'est que certes, elles ont réussi à créer des modèles économiques viables. Bien que, bon, ça peut être encore discuté, ça. Parce que viable, peut-être à un sens unique, au final. Qui ne profite pas forcément justement du public. Parce que c'est ça aussi, c'est que au final, les trois quarts des entreprises vous perçoivent comme des simples consommateurs. Disney ne se le cache même plus avec Disney+. Et ça, c'est important de le savoir. Et de s'en rendre compte et d'en avoir conscience surtout. C'est ça le problème, c'est que dans la majorité des cas, on vous perçoit comme des consommateurs qui veulent et recherchent simplement à consommer du divertissement et à ne pas s'instruire, à ne pas se renseigner, à ne pas s'élever intellectuellement. Voilà. Et c'est l'un des jeux comme Death Stranding qui vous propose justement quelque chose de neuf, qui change ce point de vue du jeu vidéo, c'est un jouet que Nintendo connaît parfaitement bien et... Ça, c'est la sauce Nintendo. Exactement, Sam. Tu peux souffler. C'est ça le truc, c'est que Nintendo, ce sont les spécialistes pour faire du jouet. Ils ne recherchent en rien d'autre. Et quand on sait que Nintendo, c'est la commu du fabricant de console avec la, enfin, c'est le fabricant de console qui a la plus grosse commu. Slash fanboy qui ne réfléchit pas, qui ne fait que d'acheter, que ce sont certes vraiment des simples consommateurs, c'est parce que justement, bien qu'il y en ait quand même qui cherchent des fois, voilà, cherchent un peu plus que ça, mais majoritairement, c'est lié à, parce que, enfin, ils sont comme ça parce que justement, Nintendo propose ça et que eux, du coup, ne cherchent pas autre chose. Et que de toute manière, Nintendo s'est un peu pris les pattes dans le tapis en quelque sorte. Parce que eux, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que c'est historiquement un fabricant de cartes à jouer. Mais du coup, ils se retrouvent les pieds coincés dans le tapis à se vautrer quand ils essayent de faire autre chose. Notamment avec la Wii U, notamment avec la GameCube, avec la N64, hein, qui n'était pas un gros succès, hein, même pour l'époque. Hein.
C'est ça qu'il faut se dire, hein. C'est que Nintendo, ils ont du succès quand ils sortent quelque chose comme la Wii qui s'adresse à des enfants et à un public casual et que c'est du jouet. Et même de nos jours avec la Switch. Bien que la Switch, des fois, essaye de naviguer entre divers familles de jeux, certes. Mais du coup, tout ça pour dire que Death Stranding fait partie en fait d'une minorité, enfin en quelque sorte d'une caste de jeux qui paradoxalement en fait sont des jeux à bas budget et qui proposent des choses bien plus profondes et bien plus intéressantes que certains AAA ou est-ce que c'est juste du pam pam boum boum décérébré. Voilà. Alors, attention, moi je critique pas, je dis pas que le pam pam boum boum c'est forcément décérébré et je dis attention. Que et ça c'est un constat, c'est que les trois quarts du temps, c'est ça. Quand c'est intelligemment fait, quand justement il y a de l'intérêt autre, parce que certes il y a la performance aussi derrière, ça c'est quelque chose qui est lié au domaine du sport, la performance et qui est très profond dans le jeu vidéo. Mais du coup là, on est encore dans un autre domaine. C'est pas forcément un domaine purement dit artistique. C'est ça le truc. Quand on est dans le domaine de la performance, on est dans le domaine du sport. Donc voilà. Après des fois, oui, il y a également des liens entre les deux, aussi entre l'art et le sport. Il y a également des connexions qui s'opèrent et tout ça. Mais c'est pareil pour la plupart des sports. C'est la recherche de performance avant tout. Et c'est ça le problème. La plupart des jeux, des shooters et tout ça, c'est que ça en fait, c'est que de la compétition, c'est que de chercher à créer quelque chose d'artificiel en fait, de vouloir faire croire au joueur qu'il est meilleur qu'autrui en lui faisant croire que c'est grâce à ses compétences à lui, alors que c'est pas forcément le cas. Dans Call of Duty, il y a les killstreaks qui aident énormément le joueur. Dans Battlefield, certes, c'est le joueur qui a le killstreak, mais il est rien sans son équipe. Dans Overwatch, pareil. Là, on parle pas réellement de talent, c'est littéralement l'équipe qui fait tout. Si on a une mauvaise compo d'équipe, si on n'est pas coordonné, si un joueur est un peu moins bon que l'ensemble de l'équipe adverse, ça y est, le match est plié. Parce que Overwatch, c'est un jeu qui est fait de A à Z pour être pensé en équipe, en fait. Et League of Legends, n'en parlons pas, parce que là ça part dans tous les sens, parce que justement, le jeu est complètement déséquilibré à plein niveau, et du coup, il y a également une logique économique derrière, parce que c'est un free-to-play, ou est-ce que du coup, il y a une logique qui s'opère, ou est-ce que faut acheter le plus de persos pour pouvoir prendre les counters et tout ça à un bon moment, en partie ranked et tout. Sans parler que derrière ça, il y a également d'autres logiques, comme dans Fortnite, où est-ce que là, c'est tellement un aspect casual qui veut ressortir du jeu pour s'adresser au plus grand nombre possible, même aux gamins de 3 ans, que du coup, le jeu est complètement hasardeux au niveau de son tir et tout ça, alors qu'il se prétend être compétitif, alors que dans les faits, il n'y est pas du tout. C'est tout ça qui fait que justement, Death Stranding est un jeu qui fait une nette cassure avec son paysage vidéoludique contemporain. C'est ça. Il décide d'aller à contre-courant. Il décide d'aller vers d'autres terrains inexplorés, vers d'autres mondes inconnus, méconnus. Voilà. Donc là, on va commencer, on va peut-être faire une petite mission. Et c'est tout ça en fait. Moi, au final, si vous regardez cette vidéo sans avoir fait le jeu, ce que j'ai essayé également de faire, ou même si vous avez fait le jeu mais que vous n'êtes pas forcément plus en fait, si vous êtes intéressé au jeu mais que sur son approche dite premier degré, qui est reconnectons le monde. Soyons tous heureux, faisons-nous des bisous et tout. Et ne nous pétons pas la gueule en livrant des colis.
je vais vous montrer également qu'il y a d'autres choses à explorer. Et qui fait que justement c'est un jeu riche dans sa proposition. Alors, commande standard. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, on ne va pas utiliser de véhicule, pourquoi? Je vais vous l'expliquer en même temps que quand je vais jouer. Enfin, que pendant que je serai en train de jouer. Mais en fait, les véhicules, on va dire que ça, on part. C'est une facilité qui est donnée aux joueurs, justement, d'accomplir ces missions. Mais c'est pas forcément l'astuce, c'est pas forcément ce que le jeu voudrait et aimerait nous faire. Vivre en quelque sorte. On va le comprendre pourquoi une fois qu'on sera en jeu. Surtout que là, comme je suis connecté, normalement, je peux pouvoir vous montrer ce que je veux vous expliquer. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Voilà.
amende attribuée. Là, on est dans la première phase de préparation du jeu. Alors, comment fonctionne cette boucle de gameplay en quelque sorte, en fait, c'est que le jeu vous invite vraiment à prendre votre temps, à ne pas de vous presser en fait. Parce que plus vous allez vous presser, plus vous allez risquer de commettre des erreurs. Rien que là, bon, là j'utilise également un transporteur, donc je triche un petit peu. C'est pour éviter de faire des allers-retours. Rien que là, c'est une facilité qui m'est donnée en fait. À moi de l'accepter ou non, de prendre le transporteur. Logiquement, j'aurais pas dû le prendre. Vous allez comprendre pourquoi suite à ce que je vais vous dire après, une fois qu'on sera lancé. Mais là, étant donné que bon, je voulais prendre justement ces colis là et de ces missions là et qui sont un peu lourds et que je me doutais que j'allais pas avoir assez sur moi et que je voulais pas faire 50 allers-retours pour cette fois-ci, et afin de vous montrer également ce que je veux vous dire, je l'ai pris. Mais sachant qu'au final je vous invite plutôt à prendre le transporteur qui est bien meilleur que la moto, justement vis-à-vis de ce que je vais vous dire après. Un truc, on va désactiver l'HUD également. Le jeu en réalité a été pensé de A à Z pour être joué sans les indications de L2R2, ton personnage est en train de tomber, tout, parce que justement tout est exprimé et expliqué par par le biais de l'animation du personnage, des objets, des armes, voilà. Enfin, quand je dis des armes, surtout des armes non létales. On peut très bien savoir comment, où en est notre personnage sans avoir besoin d'être assisté. ATH, voilà. Alors. Je verrai s'il y a d'autres trucs encore à désactiver. Et rien que là, déjà, le jeu va devenir un peu plus difficile. Dans le sens que, du coup, il va falloir vraiment faire attention. Faites bon voyage. À tous les petits détails des animations du personnage. Et en plus, là, il va gagner en ampleur cinématographique parce que l'écran sera beaucoup moins pollué alors qu'il n'y a déjà pas trop de base. Alors regardez-moi ça quoi. Pareil, là j'utilise un exosquelette, mais ce que je vais vous expliquer juste après, si on allait à fond dans ma logique, justement, je devrais même pas en utiliser l'exosquelette. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Déjà, une première chose que je vais vous parler, justement, et vous montrer, c'est ce pont-là. À quoi il sert? Il sert à rien. Pourquoi est-ce qu'il a été mis là? Parce que quelqu'un voulait justement goûter des likes, histoire de dire quoi. Il sert à rien. Littéralement à rien. Et en plus, il détruit le paysage. Et c'est là tout le réel défi du jeu en réalité. C'est d'accomplir le jeu et d'essayer de reconnecter en quelque sorte les vigilants. Mais encore, même le réseau chiral au final est néfaste pour tout ça. Sans détruire la nature en fait.
la beauté du jeu. C'est tout ça qui fait également, qui participe à faire la beauté du jeu. Parce que plus on va participer à remoderniser, à reconnecter les différents lieux qu'on va visiter, les différents environnements, plus on va participer à sa pollution en réalité. Rien que là, c'est assez explicite quoi. Le pont là-bas il sert à rien, le pont qui est derrière moi aussi. Là, le machin qui nous permet de voir un peu les alentours, pareil, il sert à rien. Tout autour, c'est quoi? C'est juste des montagnes. À quoi ça sert de l'avoir là? À rien. Bon, je sais qu'il y a un truc caché là-bas par contre. J'ai la mémoire, que j'avais loupé. Que voilà, dans le jeu, quand on va marcher sur notre chemin, plus on va emprunter des chemins avec certains joueurs, plus on va détruire la nature. Ce qui fait que quoi qu'il advienne, on sera obligé de venir à entacher en fait le paysage, à laisser notre trace, notre empreinte humaine dans l'environnement. Ce qui est assez triste, parce que le jeu, c'est justement son environnement qui révèle toute sa splendeur. Et ça, c'est quelque chose qui est recherché, qui justement, en fait, de nous laisser cette liberté-là, en fait, de pouvoir, en quelque sorte, polluer à notre guise, avant qu'on s'aperçoive que, ah, mais c'est moche, mais c'est bizarre. Ah, le pont est pas si inutile au final, ouais. J'avais pas vu. Oui, voilà, c'était l'autre pont là-bas, ouais. Celui-là, il est utile, par exemple, à la limite, et encore, quoi, ça me servirait d'aller par là, mais bon, éventuellement, mais l'autre, il sert à rien. Je sais plus c'est de quel côté un truc ici, peut-être ailleurs au final. Voilà, vous voyez là, ça m'oblige à utiliser le Dradec pour savoir, voilà, petit chemin où est-ce que je dois faire attention et tout, parce que du coup l'animation de mon personnage, elle me décrit bien ce qu'il est en train de se passer au niveau de lui, et je ressens au niveau de la manette aussi, j'ai les vibrations. Mais parfois j'aurais pas forcément le temps, donc c'est ma faute, je ne me suis pas assez renseigné sur l'environnement. La map et le jeu. C'est ça qui est génial en fait. C'est que Hideo Kojima et son équipe ont réussi à transformer un gameplay de simple marche dans un environnement bien plus qu'un trajet A à B. Et en plus ça exprime quelque chose. Voilà. Et rien que en prenant ce pont là, même si je mets pas plusieurs likes, en fait je contribue quand même à mettre un like par mon passage. Par mon simple passage. Du coup rien que là je contribue en fait à faire en sorte que le paysage, enfin que ce pont reste dans le paysage. Alors qu'il le détruit en quelque sorte. Au final, c'est un peu comme le désarmement des bombes nucléaires dans MGS 5 de Phantom Pain, le multijoueur. Là, qu'est-ce qu'il en est? Il faudrait que tous les joueurs au final empruntent le même chemin pour éviter de continuer à entacher et à détruire ces environnements qui sont somptueux. Afin de les préserver. Comme ça, d'autres joueurs pourront en profiter après nous. Même nous, si on y revient. Je vais. Vous voyez, du moment qu'on connaît bien les touches, c'est faisable. Bon là ça fait un petit moment aussi que j'ai pas joué, du coup des fois je cherche un peu mes touches quand même. Ouais pareil, j'ai commis un peu une erreur. C'est que je suis parti sans regarder ma map. En plus la map on peut l'incliner avec la manette, avec la détection de mouvement et en appuyant sur le pavé tactile, et on peut voir le relief. Donc je pourrais mettre un marqueur à la limite, mais on va pas le faire. Là, comme ça, moi qui voulais passer de ce côté-là, là, par là, parce que je me suis dit, ah, c'est noir, peut-être qu'on peut y aller
mais que j'ai jamais fait, en fait, c'est parce que c'est trop. On pourrait peut-être, mais on va éviter. Là, j'ai un transporteur et j'ai des colis. On va éviter. Attendez, qu'est-ce qui se passe si je désactive les icônes d'équipement? Voilà, là on est full cinématique par exemple. Là, ça m'oblige à scanner la topographie des lieux, parce que je ne sais pas du tout quel risque j'encours. Encore plus que si j'avais des informations liées à l'HUD, enfin, la TH. Il faut que j'évite aussi de courir parce que ça va me fatiguer sinon. Comme j'ai plusieurs livraisons à faire, c'est pas très très top. De toute manière, toutes les informations qu'on voit là à l'écran, celles-ci, on peut les laisser parce que c'est ultra diégétique. Même mes informations sur moi, ma santé et tout ça, parce qu'en réalité, c'est les informations de ma montre. Et même là, en fait, on peut le voir, c'est grâce à l'Hologradex, c'est grâce à la montre. C'est grâce également, parce que c'est des systèmes de holographiques qui fonctionnent justement soit comme des balises ou soit comme des données projetées par ces objets dans l'environnement eux-mêmes, et bien tout ça ont une présence intra-diégétique dans l'univers du jeu. Et ça, c'est très notable, c'est très appréciable. Par exemple, dans un univers antique, est-ce qu'on n'aurait pas tout ça, toutes ces technologies-là? Ce serait un peu un non-sens en quelque sorte. Que là, ça ne gêne pas trop. Ce qui fait que du coup, en plus, on en profite d'autant plus le moment où on a vraiment rien à l'écran, parce que du coup là c'est juste somptueux. Voilà, et c'est également le Bradek qui me donne des informations, comme on peut voir. Je n'ai pas besoin d'aide supplémentaire de la TH. On va essayer de passer par là.
des informations voilà, auditives au niveau du son, au niveau du sound design, pour me dire où est-ce que j'en suis dans ma respiration en plus. Enfin, par contre au niveau de la santé, si ça entame ma santé, là je sais pas trop si ça m'indique ou pas. Je pense que si. Voilà, au final, j'ai vraiment pas besoin de me presser, comme vous voyez. Il y en a un qui est content. Et d'autant plus qu'au final, prendre mon temps et ne rien avoir à la TH, ça me facilite même la tâche, parce que je suis un peu moins submergé d'informations. Ce qui fait que... forcément, on fait un peu plus attention à ce qu'on fait, à ce qu'on regarde, au décor, à l'environnement. On est moins assisté, donc on est plus concentré aussi. Là, pour exemple, j'ai failli tomber, mais mon personnage ne paniquait pas encore, donc ça servait à rien que... Là, j'appuie immédiatement sur L2R2. Allez, faut y aller. Sachant qu'en plus, là, comme je l'ai dit, oui, en plus, j'ai l'exosquelette qui me facilite la tâche, donc j'ai quasiment pas besoin d'appuyer sur L2R2, finalement. Le terrain a été aplati par les autres joueurs qui sont passés en véhicule. Parce que déjà à pied on va faire travailler l'environnement, on va l'aplatir, la planir et ça va devenir des chemins de fer. En plus en véhicule c'est encore pire. Pareil en moto. Et même les transporteurs y participent. Et on accélère également le processus avec les exosquelettes. C'est pareil quand on court en exosquelette et tout, même quand on court de base. Ce qui fait que le jeu vraiment vous incite à prendre votre temps. Ouais, sympa. Parce que de toute manière, vouloir être pressé, sauf si c'est la mission, la course qui vous l'indique, qui vous l'amène, à partir de ce moment-là, c'est logique qu'on sera obligé à un moment d'emprunter des chemins rapides, des voies rapides, des véhicules. Ou sinon, de toute manière, il y a quand même les tyroliennes, qui est une très bonne alternative, ça évite de devoir... Voilà, j'ai failli tomber là. Ça nous évitera de devoir construire des autoroutes dans l'environnement. Et regardez, en plus là on a une carcasse de véhicule, voilà. C'est vraiment très vite que pas très glorieux. Regardez-moi ça, aucun ATH. Tous les petits détails de la mouche et tout, des roches. Ah, ça commence à être un peu à deux. Là, forcément j'évite les cailloux et tout ça et certains reliefs à force de jouer au jeu, parce que même là au fait au fur et à mesure j'appréhende le terrain et je deviens moi-même le Dradek en quelque sorte, puisque je connais on devient au final objet et
ne sert plus qu'en réalité dans les cas réellement extrêmes. Parce que là aussi je suis assisté par l'exosquelette et j'ai pas trop de poids sur les épaules grâce à ce transporteur. Oula, il y a du vent, ça contre sens. Le transporteur un peu du mal. On va essayer de contourner. Avec R2 là et il commence à fatiguer du coup. Pareil le mode photo juste. On va faire une courte focale.
Voilà. Voilà, ce sera bon. N'hésitez pas à poster des commentaires. J'ai pas fait attention, mais là, il y a des gens qui sont arrivés entre temps là. Là par exemple j'avais pas fait gaffe, c'était pentueux. Là, j'ai réussi à m'en sortir. C'est pas mal du tout. Ah merde, par contre j'ai pris un colis, j'aurais pas dû. Ah mais du coup je suis tombé. C'est ma faute. Je crois bien que c'est la première fois que ça m'arrive de me faire choper comme ça. Dès qu'on se presse. Ah putain, du coup il y a tout ça qui va exploser. J'étais déjà mort, mais pas à cause d'un boss. C'est pas ça que je veux faire. Ouais. Je suis où moi? Ah merde, ça fait un... Oh non.
Voilà, dès qu'on se presse, voici ce qui arrive. C'est la première fois que du coup j'ai une explosion. Parce qu'avant, je mourais, mais pas à cause. J'étais déjà mort deux ou trois fois, mais pas à cause des boss. Ça, ça doit pas encore plus chier. Ah, j'ai perdu mes marchandises. Je reconnais même pas où ce que je suis. Mais même là, par exemple, on a vu une transition du jeu. C'est franchement pas mal. Parce que là on a eu un... Techniquement en fait on est revenu à la vie et tout ça, mais on a eu zéro écran de chargement. Ça a détruit un gros pan de la map là. Déconcentre pas. Quelqu'un m'entend ? Ouais, voilà. Et là, on peut voir qu'au milieu de la map, il y a un trou. Tout ça parce que j'ai voulu être trop pressé. J'en ai payé le prix. En plus, tu te comptes, si j'aurais couru là. Là-bas en rouge. Ah bah c'est mes marchandises. Voilà, tout bonnement hein, si j'aurais pas sauté, j'aurais pas perdu l'équilibre. Si j'ai perdu l'équilibre, c'est parce que c'était pas forcément à cause du poids que j'avais sur les épaules, c'était surtout à cause voilà de mon porteur qui s'est pris les pattes dans le dans les petits cailloux, dans les petits rochers. Okay. Voilà, je suis monté dessus. De toute façon, moi j'ai fini le jeu donc pour le moment. Là, tout ce que je recherche c'est de faire le 100%. Et bon, ça me fait un peu chier d'avoir causé quand même un trou dans le décor du coup. Parce que le but premier c'était que ça n'arrive pas quoi. Bon, c'est pas grave. Où sont les gros conteneurs. Ah
je reviens vite fait. Je sais combien ça doit être dur. Eh ben, moi, j'ai monté limite. Faire la même. On est déjà de retour. Juste faire gaffe au colis. Faire savoir encore. Ah putain, j'arrive pas à y sauter. Voilà. Ça sert à rien d'être pressé. Bon là j'ai la difficulté en plus parce que j'ai pas la TH. Vous voyez, dès qu'on est pressé, ça part. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont dorés, j'en sais rien.
Nous y voilà. Content de ne pas trop avoir à nous. Y'a quelqu'un ? Un peu galère sur la fin. Je vais pêcher, j'aurais pas dû. Livraison. Hey, merci d'être venu. Ah, c'est un peu abîmé, mais le contraire m'aurait étonné. Quand même rambé, ça va. Je voudrais pas vous retarder. Commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'un... Là, on va avoir un délai max de 30 minutes pour une livraison. Donc on va être un petit peu plus rapide pour le coup.
Paramètres de livraison mis à jour. Temps limite enregistré. Je vous remercierai jamais, sincèrement. Oui, pas de problème. Je voudrais pas vous retarder. On va prendre notre temps cette fois-ci, hein. Parce que sinon voilà, on va recharger, voilà, l'exosquelette. On va prendre notre temps. De trucs qui sert à rien. J'aurais peut-être dû prendre une échelle quand même. D'aller trop vite. Là c'est déjà plus chaud que tout à l'heure. Hein. J'ai réussi à me stopper net mais j'ai pris des dégâts. Et voilà. Thank you.
pas pressé. Il nous reste 25 minutes. On a le temps. Dès qu'on prend son temps, tout va bien. Faudra juste mettre un petit coup de spray colmatant. Et puis ce sera bon. Là, j'en chie avec L2 et R2, mais. Surtout que je porte un truc avec l'autre main. Voilà. Là, on s'est sorti d'un pétrin là. Ouh là, je suis fatigué. On va au bord de la monster. Wow, c'est pas vrai. Ah oui, ouais, et si ça que je vois pas, c'est quand je suis en pente, il y a mon niveau de fatigue. Et ça, j'avais oublié. Et ça, j'avais pas fait gaffe au bruit, il me l'a indiqué.
Ah bah on aura même pas besoin de spray comme maintenant. Attention au caillou. Voilà, on va aller là. Oula, le vent. Tout à l'heure aussi, le vent m'a dû me projeter. Dire que là j'en chie bien. Et voilà. Oh putain le vent, ouais. Ah, je le sens dans la mêlée. Pourtant c'est pas une DualSense. Ceci j'espère qu'ils vont faire. Oh putain le con. Oh j'ai lancé. Ah, il est là. Merde, j'ai recommencé la même. Allez, tiens le coup. Non, 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 j'ai pas vu l'eau. Hop. J'ai oublié la commande. C'était le triangle. Wow. Ah. Oh, on va dessus déjà. Tout à l'heure j'avais réussi. Ah oui, c'était comme ça, voilà. Oh putain, faire gaffe, ouais.
ils sont mal répartis le poids. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Décontamination de la combinaison. Accroché. Repos conseillé. Chaussures en mauvais état. Remplacement conseillé. Merde. Bon, on va aller livrer celui-là et ça sera bon. Hein.
Lancement du scan. Chaussures en mauvais état. Accrochez. Remplacement conseillé. Accrochez. Ah ouais, ça craint. Ici, il me semblait qu'il y avait une petite rivière. Elle a disparu, il faudrait qu'elle soit un peu plus loin. Ah ouais, elle a disparu. Le terrain, il a tellement été aplati par les joueurs que, avec force de passer en véhicule. On a vraiment un côté Silent Hill quand on a compté du tease là. Voilà, j'ai la contrainte du temps, du coup je me dépêche un peu. Enfin, tous les rochers aussi là qui ont disparu à force de passer. L'environnement est plus cher. Ah, mon échelle. Salut Sam, content que vous soyez là. Je sais pas comment vous faites. Sérieux? Respect l'ami. Franchement, respect. C'est toujours un plaisir, Sam. C'est vraiment dommage qu'on se voit que quand vous travaillez à un truc à travers tout le pays pour moi. Allez-y doucement, d'accord? Enfin, je veux dire, aussi doucement que vous pourrez.
disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Hey, surtout lâchez rien, Sam. Entendu. Fin de l'interdiction des armes. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Putain, il y a même un qui est mis en point au-dessus, là. Ah bon. Du coup, voilà. C'est l'une des multiples choses qu'il faut prendre en compte, essayer de se faire du mal et de ne pas aller à la facilité. Se surpasser en somme. C'est un peu tout le propos du jeu. Surmonter la montagne et tout ça, la gravir. Après, il n'y a pas que ça. Mais après, faudra encore parler pendant plusieurs heures. Là, on n'a pas trop le temps, hélas.
va se quitter là juste pour aujourd'hui. Normalement ça a sauvegardé. Voilà. Je pense qu'on en reparlera. De toute façon, on n'a pas tout dit. Et là, c'était plus pour refaire un peu un état des lieux, voir ce qui était, où en était le jeu, voir un peu ce qui avait, ce qui a été ajouté, notamment le mode photo. Parler aussi du coup un peu de son contexte et de son propos en fait, de ce qui également n'est pas forcément ne saute pas forcément aux yeux de tous, et je vous invite vraiment à gratter la surface pour essayer de vraiment de rentrer en profondeur et d'en obtenir sa subtile moelle ou son subtil élixir afin que vous puissiez vous régaler. Parce que franchement, à dire sur le jeu, c'est très dommage que beaucoup de personnes, de toute façon c'est le grand public d'une manière générale, parce qu'en soi les gros joueurs qui jouent à énormément de jeux, notamment des jeux indés au final, qui justement tentent à proposer d'autres expériences et à proposer une vision du médium beaucoup plus mature, ces gens-là, ils n'ont pas trop de difficultés à s'intégrer et à rentrer dans l'univers de Death Stranding. Du coup, voilà. Donc c'était un petit peu un cours a posteriori, hein, parce qu'on n'a pas fait un très gros résumé. Là, en même temps, aujourd'hui, j'avais pas trop de temps non plus pour faire au-delà de quelques missions, de vous parler un peu en jeu. Plus je me suis mis un peu à me concentrer et à faire quelques clichés aussi photographiques, enfin, quelques screens. Du coup, forcément, après entre-temps, avec la petite rencontre avec les bêtises, où est-ce que j'ai essayé d'un peu me presser, parce que j'aurais bien voulu vous refaire une deuxième mission et parler encore un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, je vais vous laisser. Du coup, il y aura la rediff. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit disponible sur YouTube pour ceux qui voudraient. Du coup, voilà. Moi, je vous dis à plus tout le monde. Allez, salut.